Bon, alors nous sommes au camping aventure. Je vais vous faire découvrir un peu ce camping magnifique où nous passons du bon temps en ce moment. Alors, venez avec moi. Nous sommes au camping aventure. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. Un spectacle de musique ici, hein? Juste là. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. J'aime beaucoup cette image du camping où on fait pas seulement camper. On est à la ferme Terre et Vent. Alors, on va aller rencontrer le propriétaire ici des lieux qui s'appelle Alexandre. Je jase avec le propriétaire ici. Ils ont également une auberge ici. Donc, Auberge de l'Aurore. Quel beau nom. Et nous sommes dans la ville de Notre-Dame-des-Bois. Bon, alors, sur la ferme et vent. Jusqu'à date, il y a du vent, il y a plus de terre. Il y a de la terre, il y a du vent. Ça, vous avez de la misère à m'entendre. On est à la ferme, toujours sur la route des sommets, on est à la ferme Terre et Vent. Et puis, je suis avec Alexandre, ici, le propriétaire de l'endroit, de la ferme, dans le fond. Dites-moi tout sur l'ail. Je veux tout savoir sur l'ail. Ben, là, je suis en train de me préparer. Je suis en train de nettoyer mon ail, de la séparer. Parce que l'ail, il faut tout la séparer. Mettons un bulbe de 3 ou 4 cailloux. Ben, on appelle ça des gousses, des genres de gousses. OK. Là, tu défais tout ton bulbe pour avoir le, mettons, pour le séparer en 4 ou 5. Puis là, ça, chaque gousse que tu plantes devient un plant, puis ça donne un bulbe. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait, dans le fond, deux sortes d'ail, parce qu'il y a l'ail qu'on voit dans les épiceries, puis l'ail des champs ou l'ail sauvage, pas trop, l'ail des bois. Oui. Ça, c'est une autre sorte d'ail. C'est pas la même chose que ce que moi je fais. Moi, c'est de l'ail qu'on appelle variété musique. Variété musique? Oui, c'est de la musique, dans le fond. C'est le nom de la variété.
Okay. Puis il y a différentes sortes d'ail. Il y en a à peu près une centaine de sortes différentes. Puis l'ail des bois, bien, ça c'est plus sauvage. Là. C'est, okay. Ça pousse dans les forêts, c'est surtout dans les érablières. Okay. Puis c'est vraiment sauvage dans le fond. Okay. Il n'y a pas vraiment de culture. On peut pas vraiment faire de culture de ça. Okay. C'est quand tu tombes sur de l'ail des bois, bien, c'est vraiment un coup de chance. Okay. Puis la particularité de l'ail, comment tu appelles ça? L'ail musique? L'ail musique, oui. C'est quoi sa particularité peut-être par rapport à l'ail? Très rustique. Est rustique? Par rapport au climat du Québec. Okay. C'est vraiment la variété qui est le mieux adaptée au climat froid du Québec. Okay. Il y a des variétés qui sont beaucoup plus fragiles, qui vont pas survivre à l'hiver québécois. Okay. Puis c'est une raison pour laquelle aussi on met de la paille, c'est pour protéger l'ail l'hiver, pour pas qu'elle gèle dans le sol. Okay. Fait que toutes sortes de raisons à la paille. Là. Vous cultivez ça vers l'automne? Oui, on plante ça à l'automne, puis on récolte durant l'été au mois d'août. Après, l'été suivant, ça passe tout l'hiver là? Ça passe l'hiver dans le sol, puis au printemps, c'est une des premières plantes qui sort du sol. Okay. Vraiment là, tu vois ça même à travers la neige, des fois ça perce la neige, puis ça sort, ça... C'est vraiment très, très résistant. C'est puis après ça, rendu au mois d'août, début du mois d'août à peu près, là, c'est prêt à récolter. C'est particulier quand même. Oui. Okay. Elle est très bonne, l'ail du Québec, ouais. Comparée à l'ail de d'autres pays. Vous avez une boutique, beaucoup plus là, fraîche. Puis en tout cas, le goût plus piquant un peu. OK. Puis elle est vraiment bonne. Vous avez une boutique là, ici, là? Oui, hein? Ouais, j'en vais. OK, je vais aller voir ça tantôt. C'est depuis 2011 qu'on est ici. Okay. Puis moi, ça fait environ 6 ans que je fais de l'ail. Okay. J'avais suivi une formation aussi en agriculture avant de me lancer là-dedans. Là. Okay. Ça fait... Pourquoi l'ail? Parce que ben, j'aime ça. C'est... Ouais. Ouais, c'est une plante que j'aime. C'est beau. Ouais. C'est bon. Oui. Ça. Ça va, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Puis c'est aussi parce que c'est rentable. Hein. C'est ouais. une des rares cultures au Québec qui est rentable. Ah ouais? Parce qu'on peut vivre de ça. OK. Il y a d'autres cultures aussi, c'est sûr, là, qu'on peut vivre de ouais, ça. Ouais. Mais l'ail, il y a un gros boom en ce moment là, ouais. Pour l'ail. Puis moi, ben, j'ai parlé à du monde à qui en faisait, puis ça m'a... Je suis allé en faire un peu sur une ferme pour voir un peu c'était quoi. Ouais. Puis là, j'ai décidé, bon, que je me lance dans l'ail. Puis, Mais il y en a beaucoup ou... Il y en a, je pense, une centaine, 150 producteurs au Québec en tout ah, en ce moment. Ouais, OK. Ouais. Donc, l'ail qu'on retrouve de plus en plus. L'ail qu'on retrouve dans les épiceries, c'est-tu de l'ail québécois? Rarement. Ça? Rarement, hein? Faut pas. Les épiceries, ils ont complètement raté le bateau. Ils, ouais. sont encore des gros fournisseurs, des grosses multinationales. Souvent, okay. 80% de l'ail qui est vendu au Canada vient de la Chine. Ah, oh, ouais. Qui utilise des produits qui ne sont pas autorisés ici. Donc, OK. Donc, quand tu vois de l'ail à rabais dans une épicerie, c'est parce que ça vient de la Chine. OK. Dans 99% des cas. Sinon, ça vient beaucoup des États-Unis, je crois. OK. Argentine, Espagne. OK. L'ail du Québec est très peu présente dans les épiceries. OK. Parce qu'il y a aussi un manque de production aussi. On n'en produit pas assez. OK. Mais la demande est vraiment très, très forte. C'est vraiment un ail de qualité qui est très, très recherché. Mais il faudrait aussi que les épiceries... ouvre les portes un peu ouais. plus hein, aux produits locaux. Seriez-vous capable de fournir à toute la demande ben, par exemple? Moi, je m'en viens quand même. Je veux faire un hectare d'ail, c'est quand même okay. beaucoup. Là. C'est à peu près 120 000 plants okay. que je serais capable de fournir sûrement à une épicerie de la région ici. Ouais, c'est peut-être ça. Pas toute la chaîne des Maxi ou ces affaires-là, tu sais, c'est sûr. Ben, les autres, c'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent des producteurs qui, ouais. qui sont capables d'approvisionner. Ils veulent qu'il y ait d'uniforme partout, la même ouais, chose partout. C'est ça. Mais c'est la réalité, c'est pas ça. Là. La ouais. réalité de l'agriculture, c'est pas ça. C'est ça. Mais c'est ça qu'ils comprennent pas. Mais en tout cas. C'est un bon emplacement ici pour ça? Oui, c'est ouais. très bien, ouais. OK. Il pousse ici, tu... C'est du sarrasin. C'est du donc tu ramasses ça, puis après ça, tu procèdes à la... Oui, mais ça, c'est plus pour ramasser les grains, ça. OK. Ouais. Moi, dans le fond, j'utilise le sarrasin pour faire des engrais verts. OK. Des engrais verts que je fais dans mes parcelles en rotation. Je disais qu'il y avait de la main-d'œuvre là, qui venait de façon volontaire aussi. Oui, j'ai donné un coup de main. Beaucoup de... Européens et tout ouais, ça. Oui, de volontaires. C'est cool. Je ne sais pas si tu connais Workaway. Non, je ne connais pas Workaway. C'est
deux sites web. Tu t'inscris là-dessus, puis ça met en lien, ça fait le lien entre les agriculteurs. C'est pas tout le temps dans les fermes, donc ça peut être n'importe où. Ça peut être dans la jeunesse. Merci beaucoup, Alexandre. Ouais. Merci, c'est bien gentil d'avoir reçu. Ah ben, vos noms, c'est Patricia. Chantal. OK. Sylvain. Sylvain, oui. Américain. Dans le magnifique village de Notre-Dame-des-Bois, pendant la route des sommets, c'est la troisième fois qu'on passe ici devant. Puis, devant cette église, je la trouve magnifique. En fait, je trouve surtout magnifique la partie avant. Puis là, on voit ici, on voit le Mont-Saint-Joseph juste là. Je suis pas super croyant, mais j'adore les bâtiments d'église. Je sais pas pourquoi. J'adore ces bâtiments-là. Celle-ci est merveilleuse.